On est mercredi 15 mars. Du coup, je vous ai déjà fait une vidéo sur mes premiers jours de mon road trip aux États-Unis pour les vacances de spring break. Et là, pour 3 jours, on va à Vegas. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Je pense que ça va être une dinguerie. Dans une semaine, je suis en cours. Ah, j'ai pas envie. Bon, du coup, on vient juste d'arriver à Vegas, les amis. Attendez, j'essaie de vous poser. Bon, je sais pas. Sur la route, il y avait beaucoup de camions et tout. C'était assez flippant, je vous avoue. C'est la pluie et tout. Enfin, bref. Mais en tout cas, ici, il fait 20 degrés. Il y a un peu de nuages, mais c'est très bien. À l'extérieur, Vegas paraît pas non plus extraordinaire. Ça paraît vraiment juste une grande ville, des grands buildings qui sortent de nulle part du désert. Et là, tu rentres dans Vegas, t'es en mode ok, en fait, j'ai rien dit. Ça a l'air assez dingo, hein. Vraiment, là, j'ai. Ah, j'ai trop hâte, ça va être génial. On est à côté de New York et apparemment on a déjà vu des gens connus. C'est des gens qui font des émissions Explain. Comment dire, c'est les... Ah ben je sais même plus, tu sais, c'est les maisons... En gros ils font des maisons qui sont abandonnées et tout, où il n'y a rien. Ouais, dans des... Ah bah là, tu me prends qu'il fallait mettre avant. Mais bref, maison hors réseau. Maison hors réseau, c'est ça le nom de l'émission ? Je crois que c'est un truc comme ça. Bref, du coup, moi j'étais en train de juger leur fils qui était habillé tout uniforme de foot, de jouer au foot dans les rues. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fout lui ? Pourquoi il est comme ça ? Oula, bah ça c'est con. Et après, mon père il fait, mais je les connais, c'est ceux qui font les émissions, blablabla. J'étais en mode, d'accord. Construction hors limite, je crois, ou un truc comme ça. Du coup, c'est fou. Et moi, je connais un petit peu, mais pas trop. Et t'es choqué. Choqué. Voilà, première personne, ça fait une heure, on est à Vegas. Bon les gars, on est à l'hôtel, c'est de la merde vraiment. C'est un motel, du coup c'est super flippant. Bon bah les gars, on est retourné en France hein. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Vegas baby. La cagnotte elle est de 1 250 000. Je suis gay. Ah oui quand même. You leave all of your problems at the door to my city. You gon' need to tell my brothers where you from, and I admit it. I still got empathy, and you gon' feel it for 2 weeks when I release you in them streets of Key. And you gon' feel it for 2 weeks when I release you in them streets to keep my Nina in discreet. Put that Yeezy in your teeth. Let my demons off their leashes. If you even think to speak, I'ma give a whole new meaning. When you said you live in a dream, we could keep that sleeping. You gon' live it all your life. Ouais, voilà. Play it.
bien. Toute l'eau. Mais on est à Vegas, c'est des milliers. Ah, t'as vu quelqu'un qui gagne quelque chose. Jour 2 à Vegas. On mange à Starbucks parce que notre hôtel est pourri. Non, c'est pas que notre hôtel est pourri. Si. C'est qu'ils font même pas le petit déj tellement il est pourri. En gros, on est dans un motel. Vous voyez les motels, genre dans les trucs. Dans les mers. Quoi, il y a des mers. Dans les trucs américains, vraiment tout est pourri et tout. Bah, c'est pas une légende, hein, c'est vraiment tout pourri. Hein. Et du coup, on pensait qu'on avait le petit déj et tout. Non, après, on est vraiment à côté du strip pour très peu cher. Donc en vrai, c'est normal, mais bon. Du coup, voilà. On a pris des cafés et on a mangé des trucs qu'on avait volés dans les autres hôtels. Voilà. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women. Je sais pas si vous avez vu, on est allé à la Skyline, je crois, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est la grande tour de Las Vegas où on monte et on voit tout ce qu'il y a autour. C'était vraiment très flippant. C'est super haut, mais bon, voilà, ça coûtait 20 euros là, truc. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas de problème. Comme il y en a dans les. Tu sais, dans le. Et du coup, voilà, du coup, là, on est posé au McDo. Et. Si tu te fous de ma gueule, comme d'habitude, si. C'est qu'il faut mon autorisation pour faire. Du coup là les gars, on est à Eatlon, mais du coup c'est plus, ça s'appelle plus Eatlon, l'hôtel où Elvis est allé, Elvis Presley, je sais pas si vous connaissez à propos de lui, mais c'est un de mes chanteurs préférés. Je sais pas si vous avez vu le film, mais si vous l'avez pas vu, vraiment pensez à aller le voir, c'est un film magnifique. Du coup on est dans l'hôtel où il a chanté et où il fait des prestations et tout. Du coup je suis super contente d'être ici. En fait cet hôtel il est dans Las Vegas, mais pas à Main Street, enfin au strip. C'est un peu à côté, mais c'est, en fait c'est parce qu'avant, cet hôtel c'était un des premiers hôtels de Las Vegas, donc c'était un peu super connu, il y a beaucoup de gens connus qui sont venus chanter ici, et encore il y a des gens qui connus qui viennent chanter ici. Du coup bref, c'est super intéressant, et j'adore. Thank you.
Ok, donc à partir d'ici, je vais parler parce que j'ai l'impression que j'ai mis trop de musique dans cette vidéo. Dites-moi si vous trouvez que j'ai mis trop de musique dans cette vidéo. Je ne sais pas, je suis perdue. Bref, du coup, on s'est pas arrêté le soir dans Vegas. Là, c'était, on se baladait dans l'hôtel du César Palace, je crois. Et c'est vraiment magnifique à l'intérieur. Genre, c'est un peu la représentation de Rome. Oui, de Rome, enfin de l'Italie. Bref, on s'en va. Bon, les gars, on est aux toilettes, mais ça. Parce que je pense que ça va être le seul moment où je vais pouvoir vous parler. Donc là, on voit un spectacle du soleil qui commence à 9h30 dans le Bellagio. Et là, du coup, il est 9h, on va faire la queue. Donc ça va être le spectacle de l'eau. Alors, c'est un des plus beaux, donc voilà, j'ai super hâte, ça va être très beau. Et je crois que c'est pour 2h, un truc comme ça. Du coup, j'ai trop hâte parce que j'ai trop mal aux jambes. Ouais, j'espère que c'est prévu pour les gros. Ça fait Bah ouais.